Bonjour. Bah, la question, elle se pose même pas. Enfin, c'est même indécent de poser la question. Je l'ai, bien évidemment. France, France, France. Après 5 ans en Angleterre, on revient forcément toujours à la France. Apéro Montbrill, Mont-Saint-Rigo, c'est trop haut et on sky, donc non, hors de question. Apéro Montbrill, définitivement. Alors, tout dépend si on parle de l'actualité ou si on parle du désir. Si c'est le désir, définitivement une maison dans les pierres dorées. C'est des questions piégeuses, ça. Les deux, mais en général, en fait. Parce que le vin, c'est le plaisir, et le plaisir peut se trouver à tous les étages. Donc, aussi bien dans les crus que dans le Beaujolais village. Vin d'ici, définitivement. Même si dans les vins d'ailleurs, quand même. On se rend compte qu'il y a des choses extraordinaires. Et que le Gamay s'exporte beaucoup en fait. Et les vins du Beaujolais s'exportent beaucoup. Et donc du coup, le vin d'ici devient aussi le vin d'ailleurs d'une certaine façon. Alors sommelier, parce que j'ai pas la... Normalement j'ai la grappe en fait, qui va pour distinguer que je suis bien sommelier. Mais oui, sommelier. Sommelier en étoilé parisien, sommelier en relais château en Angleterre. Et sommelier dans l'âme de toute façon. Barman, c'est un autre métier. Ah non mais, ça, la question se pose même pas, c'est-à-dire qu'il y en a un dans lequel tu meurs et l'autre qui te sert à te ressusciter. Donc moi je passe directement au Beaujolais nouveau pour me ressusciter. Il y en a un qui amène la vie et l'autre qui te fait mourir. Donc non, le marathon ça se confond pas. Donc moi je suis natif du Beaujolais en fait, même si j'en suis parti il y a bien longtemps, je suis revenu il y a un an ici, dans l'idée de justement de promouvoir et de valoriser ce patrimoine-là, cette richesse-là, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans le monde, on connaissait le Beaujolais, mais sans trop le connaître. Et donc l'idée, ça a été d'être un ambassadeur et de trouver le moyen de valoriser tout ça. Donc je suis en train de travailler sur un projet de site internet dédié sur le Beaujolais, qui s'appellera Beaujolais & Co, avec un focus vin, puisque c'est mon activité de sommelier qui reprend le dessus un petit peu, et que les vignerons sont aussi demandeurs de cela, en fait, d'arriver à trouver des relais complémentaires à leur business, mais le site sera bien au-delà de ça. C'est vraiment sur la richesse du Beaujolais au sens large du thème. Voilà, donc c'est dans les tuyaux, ça sera à venir très prochainement.